Bonjour les cancers, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre tirage professionnel de septembre 2022. Je vous souhaite à tous une belle rentrée. Je souhaite également la bienvenue à ceux qui me découvrent à travers ce tirage. Alors, ce tirage se veut prédictif. On va voir l'évolution pour vous en ce mois de septembre. Sachez que j'ai déjà réalisé des tirages saisonniers qui étaient à la fois des guidances et des prédictions. Donc, vous retrouverez ces tirages dans la playlist. Alors, pour un petit peu identifier la tendance, j'utilise un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir quel est celui qui symbolise le mieux ce mois de septembre 2022 pour vous, les cancers. Cancer, septembre 2022, au niveau professionnel, quel est l'arcane majeur qui symbolise le mieux le mois de septembre 2022 pour les cancers au niveau de leur carrière, qu'ils soient en emploi ou à la recherche d'un emploi. Alors, on a la carte du pape. Le pape, ça peut parler d'officialisation, de contrat pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les autres, il peut s'agir ici d'avoir affaire à quelqu'un d'expérimenté qui pourrait vous conseiller en ce mois de septembre. Cette personne fait autorité dans son domaine et vous pourriez suivre ses conseils. Après, de notre côté, le pape indique aussi que vous allez être plus conforme peut-être à vos valeurs, donc mettre un sens un peu plus spirituel ou éthique dans ce que vous faites au niveau professionnel. Voilà, alors maintenant on va voir 5 cartes avec l'oracle botanique des divinités pour vous, les cancers, septembre 2022. Au niveau professionnel. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? Alors, on a prendre soin. Avec prendre soin, ça signifie qu'il y a peut-être une réconciliation si vous étiez dans des brouilles au niveau pro, dans vos relations professionnelles. C'est une carte en tout cas de bienveillance, de protection. Donc ça signifie que les relations, on va dire, humaines dans le cadre professionnel sont saines. Allez, cancer, septembre 2022, au niveau professionnel. Voilà. Alors, la carte de la justice, tout d'abord, va indiquer que les choses vont être justes, équitables, que ça va rentrer dans l'ordre aussi. Pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, avec la carte justice, il peut s'agir d'un contrat, d'une démarche officielle. En tout cas, l'harmonie est rétablie comme l'indiquait la carte du pape et de prendre soin. Voilà, donc ça fait écho à cette signification-là. Alors, la tentation, il pourrait y avoir peut-être des... Comment dire, de la jalousie, possiblement. Il y a une petite mise à l'épreuve. On dirait que, y a une difficulté pour vous. Mais ça va être de courte durée parce que ça s'enchaîne tout de suite avec bonne nouvelle. Peut-être que ce contrat que vous signez ou si c'est vous qui êtes pressenti pour quelque chose, voyez, ça peut susciter la jalousie dans une équipe, mais c'est pas l'ensemble des relations qui en est affectée parce qu'on a la carte du pape et prendre soin. Donc je dirais que c'est une personne, certainement de sexe masculin, qui pourrait voilà, être un petit peu envieux ou qui vous fait un petit peu, entre guillemets, des reproches. On a bonne nouvelle, culpabilité et amour. Alors, avec la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a une information, une situation qui n'était pas du tout prévue, qui va finalement se dérouler d'une telle façon que ça va faire tout à fait ça va répondre tout à fait à vos intérêts. Il y a quelque chose d'inespéré, d'inattendu qui se produit pour vous. Sur la carte bonne nouvelle, c'est un renouveau, une chance, ou alors que les choses s'améliorent après une situation un peu compliquée. On a l'impression quand même ici avec culpabilité qu'il y a des choses qui restent à travailler sur vous,
C'est-à-dire qu'il faut faire preuve davantage de compassion envers vous-même. Moi, j'ai l'impression, prendre soin, c'est ménagez-vous aussi et soyez un peu plus doux et indulgent avec vous-même. J'aurais tendance à dire que vous êtes un peu sévère peut-être, hein, vis-à-vis de vous-même. Et donc, il faudrait vous ménager un petit peu davantage, tant sur le plan physique que sur le plan moral, puisque je dirais que vous êtes assez intransigeant vis-à-vis de vous. Bon, on a la carte amour qui clôture ce tirage. Il y a beaucoup de créativité pour vous. Donc, il y a peut-être, ça dépend du métier que vous faites, mais cette créativité, ça peut être pour trouver une innovation, ça peut être une nouvelle façon de procéder aussi. Et en fait, si vous voulez, vous êtes assez inspiré, je dirais. Donc, ça va plutôt intéresser peut-être ceux qui sont dans le domaine artistique, créatif. En tout cas, voilà, vous allez avoir beaucoup d'inspiration. Et vous saurez vous conformer à l'ADN de l'entreprise avec la carte du pape, parce que ce sont des valeurs, une marque, si vous voulez, qui a déjà une image. Et avec ça, on dirait que soit vous arrivez à adhérer, à coller au plus près à ça, soit même vous sublimez l'existant. Allez, pour vous, les cancers. Alors, demandez ce que vous voulez. Donc, il faut que vous soyez vraiment au clair vis-à-vis de vous-même sur vos attentes, vos intentions et en tout cas vos souhaits ont toutes les chances de se réaliser. Donc, c'est très positif pour vous. Allez, Cancer, septembre 2022, au niveau professionnel. Alors, sachez que j'organise un jeu concours pour vous faire gagner une consultation personnelle, personnalisée. Pour y participer, vous pouvez commenter cette vidéo, indiquer dans le commentaire que vous êtes abonné, que vous participez ou que vous venez de vous abonner, que vous participez. Et puis, en partageant, likant la vidéo, si vous faites voilà, ça aussi sur Facebook et sur Instagram, vous aurez plus de chances de remporter ce tirage. Donc, je vous invite à le faire et bonne chance à vous. Allez! On a la carte retraite pour poursuivre votre tirage. Donc, retraite, ça signifie qu'il faut un petit peu se recentrer, se concentrer sur le projet, le travail, la mission, on va dire, et ne pas se laisser influencer par garder tout à fait son libre arbitre et justement être dans des périodes où vous pouvez vous isoler, vous recueillir pour mieux peaufiner les choses. Alors, on a éditeur, donc vos travaux créatifs ou vos écrits bénéficient d'une aide ou d'un soutien qui provient de l'extérieur. C'est le fameux pape dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il y a un soutien pour vous. C'est vous qui êtes choisi pour être voilà, épaulé, accompagné. Et ça va vous av faire avancer vraiment dans votre projet, dans votre carrière. Accorder de l'importance à vos rêves, ben, il faut continuer d'y croire, d'avoir l'espoir, la foi. En plus, là, il y a une bonne nouvelle, donc c'est un signe que les choses vont dans votre sens. Ce nouveau projet-là se met en place. Peut-être parce que là, maintenant, vous avez tous les éléments, grâce à l'aide du pape, là, l'éditeur, vous avez tous les éléments pour pouvoir le lancer. Donc, il y a quelque chose que vous créez. Et ici, même si c'est un projet qui est au départ d'une initiative personnelle, vous allez en faire part avec groupe d'écriture, vous allez le présenter, vous allez le faire peut-être évoluer. Vous avez fait une ébauche de quelque chose, vous avez tiré les grandes lignes, vous voyez, et on voit que vous avez la possibilité là de l'améliorer grâce à un travail collectif. C'est quelque chose ici de plus collégial, mais c'est vous qui l'avez pensé initialement. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, je vais voir avec le tarot, mais quand même, il y a des choses qui bougent. Pour moi, là, il y a un soutien qui vous est donné. Alors, est-ce que c'est dans votre réseau de relations ou est-ce que c'est quelqu'un
qui dans le cadre de ses fonctions, voilà, à Pôle emploi, etc., prend un peu plus à cœur votre dossier. En tout cas, on voit que les choses bougent et vous vous lancez certainement dans une nouvelle direction. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une opportunité que vous saisissez et c'était peut-être pas ce à quoi vous aviez pensé initialement. Allez, pour vous, les cancers, septembre 2022, au niveau professionnel, qu'est-ce qui vient à vous? Quelle est la parole de l'oracle pour les cancers? On a l'as de coupe. Il y a bien de la nouveauté, un nouveau départ, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur avec l'as, où vous mettez beaucoup de. Vous y mettez, comme on dit, le cœur à l'ouvrage. Sur l'as de coupe, vous voyez, c'est quelque chose qui émotionnellement vous comble et vous remplit. Donc, cette coupe-là, et c'est un as, donc. Ça signifie que vous vous impliquez vraiment émotionnellement et affectivement dans cet emploi, dans cette tâche. Le projet est prometteur, d'autant plus que vous aimez ce que vous faites. Donc, si vous voulez, vous y mettez beaucoup plus de cœur, d'entrain, de motivation. La motivation est au rendez-vous. Allez, pour vous, les cancers, septembre 2022 au niveau pro. Alors, la mort, ici, ça signifie qu'il y a, vous voyez, comme c'est un nouveau projet, il y a certainement quelque chose qui s'achève, qui est clôturé. Voilà, vous passez à autre chose. En même temps, avec l'arcane sans nom, il est peut-être nécessaire de se détacher d'une certaine situation pour pouvoir accueillir la nouveauté, pour pouvoir accueillir cette bonne nouvelle. Il ne va pas falloir rester, à mon avis, sur l'ancien, sur les schémas anciens. On sent qu'il y a un cap à passer. Et vous voyez, quand je vous disais, vous prenez certainement une direction qui n'est pas celle que vous aviez projetée au départ, c'est confirmé. Cette bonne nouvelle, elle bouscule un petit peu le cours que vous aviez prévu, hein, le cours des choses qui était que vous avez imaginé. Et là, ça vous apporte beaucoup de satisfaction. Vraiment. Peut-être qu'il y a cette fameuse mise à l'épreuve ici, mais ce soutien qui vous est donné et ces événements nouveaux qui changent complètement la donne. Avec le 9 de coupe, on voit vraiment que vous êtes dans une situation où vous allez vous satisfaire, vous féliciter. Voilà, vos efforts là sont récompensés. Et en fait, c'est vraiment individuellement hein, que. Après, vous voyez, il y a quelque chose que vous façonnez de manière individuelle. Et ensuite, vous l'intégrez dans un travail d'équipe. Mais c'est vous qui l'avez pensé au départ, hein. Donc, vous avez un travail là qui vous apporte beaucoup de satisfaction. C'est plaisant pour vous. Vous êtes en plus, comme on avait prendre soin, bien entouré, etc. Et en même temps, ça vous comble financièrement aussi. C'est plein ici avec le 6 de coupe. On voit que, eh bien, il y a beaucoup de réciprocité, de simplicité dans les relations professionnelles. Les choses vont de soi. On partage, on se réunit facilement et vous serez estimé par vos pairs. Donc, c'est parfait. Alors, le nouveau projet qui se met en place ici, ça vous oblige à concilier peut-être deux choses, c'est-à-dire peut-être il y a des choses à terminer, à régulariser de l'ancienne situation, à parachever, voyez, pour pouvoir lancer la nouveauté. Donc sur une petite période, vous devez vous adapter, certainement essayer de jongler. Ça peut être un peu sport, un peu inconfortable, mais sinon, si c'est pas ça, parce que là j'ai l'impression qu'il se termine et que l'autre vraiment démarre un peu plus tard. Il n'y a pas forcément, ça se chevauche pas forcément, mais il est possible que ce soit simplement
Si vous voulez, là, dans votre tête, vous avez refermé quelque chose, refermé un pan, une situation. Il n'empêche que matériellement, il reste encore des choses à clôturer. Voyez, ça peut être ici, on sait que c'est fini, qu'on est passé à autre chose, mais il y a encore des papiers administratifs, juridiques à régler. Là, avec le 2 de denier, c'est vraiment quelque chose en construction, c'est un projet qui est en germe et vos ambitions sont justes, voyez, donc c'est quelque chose qui est à votre image et conformément et conforme à vos valeurs, hein, comme j'ai pu vous le dire déjà. Sur la reine de coupe qui clôture ce tirage, eh bien je pourrais dire que vous avez envie, voyez, de faire preuve vraiment de créativité. Vous avez bon, c'est la créativité, ça va pas parler forcément qu'aux artistes, enfin tout au moins je le souhaite, je l'espère, mais si, sinon ça peut être aussi que vous faites preuve, surtout autour de groupes d'écriture là, d'altruisme, voyez, vous avez vraiment besoin de créer dans l'harmonie. On dirait que créer pour créer, ça n'a aucun sens, et c'est ça le sens supérieur que nous donne le pape, c'est que en fait vous voulez fédérer autour de vous, réunir des gens qui pensent comme vous. Vous voulez pas travailler avec n'importe qui, il va falloir que ces personnes partagent vos propres valeurs. Voyez, c'est ce sens-là que vous allez vouloir donner à votre projet professionnel, à votre travail en tout cas. Donc c'est très 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 positif tout ça, hein, les cancers. Donc j'espère avoir de vos retours dans les commentaires. Et puis surtout, mentionnez bien si vous souhaitez participer. Et puis abonnez-vous à ma page Facebook, Instagram pour avoir plus de chances de remporter ce tirage. Pour une consultation privée d'ici le tirage, si vous en souhaitez une, le tirage au sort, eh bien vous m'écrivez à paroledoracle@gmail.com. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.